Le salon, effectivement, par la sécurité des élus. Ce n'est pas un sujet guadeloupéen, c'est un sujet national, même dans l'Hexagone, c'est un sujet crucial. Aujourd'hui, il y a plus de 2000 élus dans l'Hexagone qui ont déjà démissionné de leur poste, victimes d'agressions. C'est un recul de la démocratie, c'est un recul d'une valeur cardinale qui fonde notre société. On ne se rend pas compte que quand on s'attaque à un symbole comme la démocratie, parce qu'un élu, c'est un symbole de la démocratie, on remet en cause même les fondements de notre société. Donc là, aujourd'hui, nous étions dans un temps fort pour pouvoir le dire, pour que la Guadeloupe entière l'entende, que protéger ses élus, ce n'est pas protéger monsieur un tel ou madame un tel, c'est protéger un système qui nous garantit de vivre bien ensemble, de savoir vivre ensemble. C'est ça. Ensuite, montrer aux élus que l'association des maires est au travail et qu'avec les forces de gendarmerie, les forces de police et l'association des maires de France, il y a un dispositif que nous avons mis en place pour protéger les élus et tous les élus, les maires, mais aussi les autres élus, voire leurs collaborateurs qui sont en danger, qui sont menacés tous les jours.